présence. Deuxièmement, c'est de soigner le roi. Est-ce que soignes-tu le roi? Tu le sais? Après de quoi, comment et où? Est-ce que tu le sais? Oh, servir l'Éternel, c'est de se donner de tout son cœur et âme. Donc si tu le sais, c'est que ton corps, âme et esprit le sait. Et si ton corps, âme et esprit le sait, ça veut dire que tout ce que tu as appartient à l'Éternel. Il est à mesure de prendre ce qu'il veut au moment voulu. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. On prend la jeune fille vierge avec ces trois missions à réaliser. Se tenir devant le roi, dans sa présence, soigner le roi, qui veut dire le servir, et troisièmement coucher sur son sein pour le réchauffer. Alléluia. Dans son sein là où est le cœur. Alléluia. Alléluia. Pour réchauffer le roi, il ne fallait pas se coucher ni sur sa cuisse, ni sur son dos, mais sur sa poitrine. Alléluia. Donc avoir, donc, trouver une place du choix dans le cœur de l'Éternel et savoir l'adorer. Réchauffer le roi veut dire savoir l'adorer et trouver une place dans son cœur. Là, on le réchauffe. Quand il n'y a pas d'adoration, il est dans la fraîcheur. La seule chose qui remue et qui réchauffe le roi des rois, c'est la véritable adoration. Mais une chose compliquée et bizarre, le roi David n'a jamais connu cette femme. Et après sa mort, l'enfant qui vient prendre le pouvoir qu'on appelait Salomon prend cette femme et couche avec elle. Alléluia. Comprenez très bien. David, on a pris pour David. David, on a fait le choix pour David. Mais David n'a pas connu cette femme. Alléluia. C'est le fils qui vient. Et quand le fils arrive, il récupère la royauté, la première des choses qu'il récupère, c'est la femme. Et il y a eu un problème dans le pays qui a remué tout le monde, son petit, son frère qu'on appelait Adonija. Il avait dit à Salomon, moi, tu peux tout prendre, mais laisse-moi seulement ta femme. Abishag. Et Salomon dit, a répondu à sa mère, comme elle n'a pas demandé autre chose, ma femme. Il doit mourir. Qui l'a tué? Il a dit, tu peux tout me demander, mais si tu touches à cette femme que mon père m'a laissée, tu dois mourir. Il est trop jaloux de cette femme-là. Il est trop jaloux de cette femme-là. Christ, qui est le véritable Salomon? Sacrifice, l'Éternel te dit, j'ai vu ta foi. Mais je
disant, j'aime mieux sacrifice. Abraham s'attendait à un agneau, mais il se retourne, il voit un bélier. Or le bélier, c'est le père de l'agneau. Le sacrifice était pour les brebis. Mais Abraham, je lui présente non pas une brebis, mais un bélier. Or, le bélier, c'est le père de l'agneau. Donc là, le père est dans le fils est dans le père. Donc on peut sacrifier le bélier à la place de l'agneau, comme l'agneau à la place du bélier. Ça veut dire la femme, le père peut prendre la femme du fils, le fils prend la femme du père. Ils sont les mêmes personnes. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi David ne pouvait pas connaître Abishag. Abishag était réservé pour Salomon. Salomon n'était qu'une figure de rhétorique. Alléluia. Parce que ce Salomon était mort. Mais pour le prouver, ce Salomon, que c'était lui le Christ, plutôt c'était Christ le véritable Salomon, Salomon devait venir. Le faux Salomon a agi de la même manière que Christ. La Bible nous dit, Salomon dans son règne, dans le livre de Chroniques, il avait un trône de 6 marches. Et la 7e marche était pavée en or. Sur son trône était fait d'ivoire et couvert d'or. Et sur les 6 marches, de part et d'autre, il y avait les têtes de lions. 6 d'un côté, 6 de l'autre côté, ça faisait 12. Et lui, le 13e, il montait au milieu. Il était au milieu, en cadre des 6, pour aller s'asseoir sur son trône d'ivoire couvert d'or. Est-ce que vous avez compris ça? Ça, c'était le faux Salomon. Il ne comprenait pas ce Salomon-là. C'était ses idées que celui était en train de faire. Or, il ne savait pas qu'il était inspiré parce que le véritable Salomon devait venir. Il devait s'asseoir sur le trône d'ivoire, mais couvert d'or. L'ivoire, c'est une chose naturelle, mais qui était couvert d'or. Il était à la fois homme dans la chair, mais il était Dieu qui le couvrait. En lui, il reposait la plénitude de la divinité. Alléluia. Il avait de part et d'autre 6 têtes de lion qui n'étaient autres que les 12 apôtres qui l'entouraient. 6 qui faisaient 12. Mais le véritable lion était au milieu parce que c'est lui qui gérait. Ça, ce n'était que le faux Salomon. Parce que le véritable Salomon devait venir. Et ce véritable Salomon est jaloux. Plus que le Salomon lui-même. Il a torturé Adonija parce qu'il voulait prendre sa femme. Tout ce qui voulait toucher ta fille était là, je l'exprimerai. Oh. Il a torturé ses mères sur ta vie, tu le puisseras. Parce qu'il est trop jaloux de toi. La maladie ne peut pas se lever à toi pour appuyer cela. Alléluia. Alléluia. Si un sorcier se lève, une ligue de sorciers se fend pour vouloir te détruire, le véritable Salomon, qui est jaloux, il a fait tout perdre, mais sauf Abishag. C'est une femme que son père lui a choisi. Le choix du père ne néglige pas ça. Alléluia. Rien ne pourra ébranler ta vie parce que le véritable époux qui t'a pris, que le père avait choisi pour son fils, est à tes côtés. Il va détruire tout ce qui voudra te détruire. C'est à cause de sa jalousie qui ne permettra rien à compter ta vie. Mais à condition que tu remplisses les trois choses qu'Abishag remplissait auprès de David, elle se tenait dans sa présence. Es-tu dans la présence de l'Éternel constamment? Je passe des heures. Alléluia. Tu as connu dans toute la vie parce que tous les gagnants de la vie l'ont connu. Les boîtes n'ont pas rentré parce que c'est un lieu là où tu vas te reposer. Tu passes tout ton temps devant ton fils parce que c'est là où est ta présence depuis les jours. Est-ce que passes-tu ta présence devant l'Éternel? Alléluia. Il ne peut être jaloux dans la vie d'Abishag. Mais Abishag avait le devoir à remplir. Il devait être auprès du roi David. Es-tu auprès du roi David? Es-tu dans la présence de l'Éternel? Demeure-tu dans la présence de Dieu? Combien de temps passes-tu dans la prière? Combien de temps passes-tu dans la communion? 10 minutes. Tu as dit parfois à l'église, à 12h15, tu sais qu'on termine à 13h. Parfois 12h30. Tu as passé combien d'heures dans sa présence? Un homme qui connaît l'importance de la présence de Dieu, il sait quand il y a une réunion, il arrive quand la réunion commence parce qu'il commence avec l'Éternel. Alléluia. Alléluia.